La culture de framboises sous tunnel consiste à produire les framboisiers sous une structure de métal. On lui met une polythène de plastique sur le dessus, ce qui fait en sorte qu'on protège nos framboisiers des intempéries. Nos framboisiers sont produits dans des pots de 7 litres. On y met 2 cannes de framboises par pot. On a aussi l'irrigation goutte à goutte installée dans chacun des pots. Avec l'irrigation goutte à goutte, on peut leur donner l'eau et les éléments nutritifs qu'ils ont besoin. Tout est automatisé là, pour l'irrigation. C'est une production innovatrice parce que ça améliore la qualité des rendements comparativement en champ. Ça nous permet une protection là, contre les conditions météorologiques. Puisqu'elles sont en pot, on n'a pas besoin de variétés qui tolèrent l'hiver. L'idée d'implanter cette technologie à la ferme nous est venue parce qu'on avait plusieurs défis là, pour la production en champ. En Hollande, ils font déjà beaucoup de tunnels de framboises, fait qu'on s'est inspiré de leur technique de production. C'est une technique qui est de plus en plus en croissance au Québec. Cette année, nous avons commencé la production de fraises sous tunnel en complément de nos fraises en champ. Les fraises d'automne sont récoltées de la mi-juillet jusqu'aux premières gelées à l'automne. La fraise d'automne représente maintenant plus de 50 % de la production de fraises au Québec.